Salut à tous, salut à toutes, c'est King Lizard, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre Let's Play Le Chantier Spatial. Alors aujourd'hui, on va faire la deuxième partie, la coque. Alors pour faire la coque de ce vaisseau, ça va pas être très dur en fait. Je pense qu'on va réussir à s'en sortir pas mal. Je pense, on verra bien comment on s'en sort, mais je pense que ça va aller. Ok, alors ici il faut que je simplement que je termine cette arête, parce que si je mets pas bien l'arête, je vais probablement me tromper par la suite, donc ça faut faire attention. Voilà. Ok. Et là, comme ça. Ok. Alors, on commence à faire la coque. Je vais faire le dessus. Je vais pas faire le dessus, je vais faire les côtés et le dessous. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça va être plus pratique par la suite. Ça va être beaucoup plus pratique. Comment je vais faire ici? Parce que sinon il va faire noir en fait. Il va faire noir dans le vaisseau. Ça va pas être super. Faut que j'arrive à faire un truc à peu près correct. Je sais pas vraiment. J'ai pas l'air très doué là. Comment je m'arrange ici? C'est pas facile, hein. Franchement. Ouais, c'est pas super, mais... Après, je sais pas trop comment faire, hein, vraiment. Je suis un peu perdu. Ouais, sans deck, ça pose problème, hein. Ce nez me pose des problèmes graves. Alors, une seconde. Ouais, mais non. Voilà, 10 et 10. Je vais recommencer le nez vite fait parce que là, sinon c'est n'importe quoi. Ça va pas du tout. Ok, bon. Un, deux, trois. Voilà. Ici. 1, 2, 3. Comment ça se passe? Ça va pas du tout. Attendez une seconde. Ouais. Ça, je vais faire ça. Voilà. Là, je vais faire ça, comme ça.
Et si je fais deux à chaque fois comme ça, ça va le faire ou pas? On peut dire que ça va, à peu près. Voilà. Ensuite. Je sais pas du tout comment faire. Alors j'improvise et puis je verrai bien par la suite comment ça donne. Si ça donne bien, tant mieux. Et si ça va pas, bah tant pis. Hein, parce que là, sinon je vais passer des heures et des heures à faire cet arrondi. Enfin cet arrondi. Ce double... double escalier là. Franchement pas simple à faire. Est-ce que je peux faire ça plutôt? Voilà. Ok. Je continue. Ça c'est bon. Ensuite, bah ça m'a l'air bon en fait. Hein. Voilà, voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Ok, ça c'est fait. Donc je remplis pas le dessus. Hein. Je fais que le dessous parce que sinon je vais m'emmêler les pinceaux. Ça va pas être beau. Alors. On va faire la soute. Ah ouais, mais il fait le dessus aussi. Bon bah tant pis, je vais devoir faire le dessus en même temps. Et puis quand j'attaquerai l'intérieur, je le ferai avec avec des ice crystals pour avoir de la lumière. Parce qu'en fait le problème principal c'est ça, c'est parce qu'on voit pas clair une fois qu'on est on commence à construire l'intérieur, on voit plus ce qu'on fait. Ok, ça c'est fait. Avec les symétries également, on a tendance à ne pas voir ce qu'on fait. Alors j'aurais bien voulu qu'on puisse régler l'opacité du machin vert là. Parce que là, c'est vrai qu'elle est envahissante. On ne voit qu'elle. Voilà. Ok. Ça c'est fait. Ok, maintenant je passe ici. Donc je suis là et je dois aller là. Là j'ai 2, là j'ai 5. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, je divise par 3. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors vous comprenez peut-être pas ce que je fais. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez ? Ici, j'ai 4. Et là-bas, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 4, 10, ça fait 6. Que je dois diviser en 3. Ça fait... ouais, mais ça va pas aller comme ça. Attendez une seconde. Si je fais ça... Ouais, ça va le faire.
Voilà. Ok. Maintenant, ça, je remplis. Parfait, parfait. Et voilà. Et ici. Nickel. Une fois qu'on a fait ça, on le prolonge jusqu'au bout. C'est... Ouais, ok. Alors, hop là, je tire la paroi jusqu'ici. J'espère que je vais réussir à faire 10 minutes pour chaque aspect de vidéo. On va bien voir avec le temps comment ça se goupille. Sinon, dans tous les cas, si jamais il y a un problème de temps, j'accélérerai la vidéo si vraiment elle est beaucoup trop longue. Ok. Continue. Voilà. Là-bas. Voilà. J'espère que les clics de la souris ne s'entendent pas trop. Je pense que si. Parce que c'est quand même un micro assez puissant. D'ailleurs, je peux pas jouer la fenêtre ouverte. J'aimerais bien parce que si je laisse la fenêtre ouverte, il y a toutes les voitures, le voisin qui parle, je l'entends très bien, l'oiseau qui chante, je l'entends aussi. Voilà, le moindre truc qui se passe dehors, je l'entends très bien dans ce micro. Parfait. Alors, hop là, j'essaie d'aller vite. C'est difficile de... C'est du supra-clic. Méga-clicker. Oh yeah! Ah, j'arrive pas à crier et à cliquer. Clicking! Ah, j'arrive plus, je perds mon rythme. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant l'arrière. Donc c'est bien ce que je disais, je gagne à chaque fois deux blocs. Et donc au bout je me retrouve avec un bloc, avec un cube de 6 sur 7. Là je gagne deux blocs. Là je vais encore gagner donc 4 blocs, j'ai encore gagné deux blocs. Et là j'en gagne 6 au total. Hop là, alors savoir construire un vaisseau, je pense que ça vient aussi, ça vient de Minecraft finalement, parce que dans Minecraft on sert beaucoup des cubes, et je dois dire qu'à force de construire des trucs, on commence à avoir les côtes dans le nez. On a des techniques qu'on met en place avec le temps. Alors certaines sont plus efficaces que d'autres, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Ça peut arriver de faire des beaux fails. Voilà, le pire des fails c'est le fail d'un bloc. Je pense que tous les joueurs de Minecraft connaissent ce méga fail. Vous faites votre bâtiment
et une fois que vous l'avez terminé, vous vous rendez compte que vous êtes fail mais de un seul bloc. Ce qui fait que, bah, en fait, vous devez tout refaire, quoi. Ça, c'est le pire des fails de Minecraft. Quand vous êtes constructeur, c'est vraiment l'horreur. Puis, c'est même pas question de réparer ni rien, on pouvait pas. Vous pouvez pas réparer, vous êtes obligé de tout refaire. Voilà. Alors ça, je m'en mêle un peu les pinceaux. Après vous dites ouais, c'est pas beau, c'est moche, tout ça. Normal, c'est normal, vous inquiétez pas. On n'est pas encore dans l'épisode de décoration. Voilà, parfait. Oh là 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 là. Voilà. Petit trou. Ok. Maintenant cette partie-ci. Voilà. Ok. Cette partie-ci. Parfait. Et après il y a l'arrière, mais l'arrière je le fais pas. Pas tout de suite en tout cas, je verrai une fois que je poserai les moteurs, enfin tout ça va être la déco, principalement de la déco. Donc quoi que, attendez. Non, de toute façon la déco elle va venir par-dessus la coque. Donc finalement je vais quand même le faire. Voilà, hop là. Nickel. Et en dessous, ça doit être bon aussi. Parfait. Ok, c'est la fin de ce deuxième épisode. On se voit dans le troisième épisode qui va concerner les armes. Allez, à tout de suite.